Septième jour. Boris est revenu très marqué et blessé par ce qu'il s'est passé. En plus, ils ont été pillés. Ils ont pris de l'eau et un peu de nourriture. Roman a été légèrement blessé également. Ils se soignèrent avec des bandages. La nuit arriva. Il n'y avait pas grand-chose à faire, juste se reposer. Le couple de personnes âgées était décédé et ils décidèrent d'aller ramasser ce qu'il restait encore sur place. Il y avait encore trop de choses à prendre. Huitième jour. Nuit calme. Quelqu'un frappa à la porte. Boris y alla. C'était un homme qui cherchait un abri. Boris accepta encore sans se méfier. Il s'appelait Marco. Il était pompier à l'époque. C'est pour cela que Boris l'a accepté sans crainte. Il était malade et Boris lui proposa de se soigner. Peu après, il alla construire un lit pour qu'il puisse bien dormir, lui aussi. Boris, avec ce qu'il avait vécu et le décès du couple, était déprimé. La nuit tomba et Marco alla dans la villa en ruine. Il était armé pour affronter la femme. Il entra et la femme prit peur, étant toute seule. Il ramassa les ressources, il n'y en avait encore trop. Il y en avait trop encore, et un deuxième passage était nécessaire. Neuvième jour. Ils ont été encore pillés. Oh, pas grand chose. Et Boris a été blessé, légèrement.
Boris se décida à construire un couteau pour se défendre. Sa déprime était en train de le ronger. La nuit arriva. Boris se chargea de vider la villa en ruine. Il ne prit que le couteau. Boris put vider la maison. La femme fut prise de panique par l'intrusion. Il n'allait pas lui faire de fleurs. Il reviendra la nuit prochaine pour finir le travail. 10e jour. La nuit a été mouvementée. Roman était en colère et a été difficile à calmer. Franco était repassé. Ils lui troquèrent de l'eau et des cigarettes contre du sucre. Boris discuta avec Roman pour le réconforter. La nuit arriva et Marco se chargea d'aller finir de vider la villa. Elle regorgeait d'énormément de ressources et Marco rentra le sac plein. 11e jour. Roman était encore en colère cette nuit. Boris discuta avec lui. Il n'était pas rancunier vis-à-vis de son comportement. Quelqu'un frappa à la porte. C'était encore le voisin de la dernière fois quand Roman était parti avec lui. Roman hésitait et refusa tout d'abord. Puis accepta. Il adorait cela, ça lui rappelait l'avant-guerre. Boris, en attendant, améliora l'atelier. Il fabriqua un mixeur pour améliorer l'établi de métallurgie. Puis vint la nuit. Boris termina de récupérer les composants de la villa. Douzième jour. Ils ont été pillés, mais heureusement qu'ils étaient armés. Ils n'ont volé que peu de nourriture et des cigarettes. Roman a ramené de l'eau et des légumes. Marco essaya de parler à Roman qui était encore déprimé. Les nuits s'enchaînaient. Boris se chargea d'aller visiter le petit immeuble pas très loin d'eux. Il s'arma car il y a du danger. Il trouva dehors de l'alcool de contrebande. Il observa à travers la serrure la personne dans la maison. Elle était ivre. Boris entra et l'homme l'invita à sortir. Il aurait dû l'écouter. Il décida de l'attaquer au couteau. L'homme s'enfuya et alerta ses collègues. Boris, non conscient du danger, continua de fouiller les caches.
un homme descendit armé et tira sur Louis. Il essayait tant bien de mal de s'enfuir. Mais il mourut sous les balles. 13e jour. Roman était toujours en colère. Ce matin, il proposa de trinquer avec Marco pour essayer d'oublier la mort de leur ami de mauvaise fortune. Quelqu'un frappa à la porte. Marco eut du mal à rejoindre la porte d'entrée. Il titubait. C'était Franco, il troqua des choses intéressantes. La nuit arriva. N'ayant plus d'armes, vu que Boris avait tout pris, ils décidèrent de rester et de décuver de leur alcool. 14e jour. Roman et Marco se sont battus. Jusqu'où en sont-ils arrivés ? Marco fabriqua une nouvelle pelle et un pied de biche. Puis parla à Roman comme si de rien ne s'était passé. Il lui dit qu'il fallait rester soudé pour s'en sortir. Roman se reprit et fabriqua une scie. Vint la nuit. Armés, ils décidèrent de visiter l'hôtel. Pas question de retourner dans l'immeuble pour l'instant. Marco se chargea de la mission. Ne voyant personne à l'horizon, il pénétra à l'intérieur. Et enleva les gravats avec sa pelle. Il y avait quelqu'un vu la propriété privée dans la cache. Marco força la porte et cela alerta la personne à l'étage. Était-il seul ? Il vint à la rencontre de Marco, mais ce dernier ne lui laissa pas de chance et l'attaqua jusqu'à le tuer. Il ne voulait pas finir comme Boris. Bien lui en a pris car il était armé d'un fusil. Formidable trouvaille.
Il continua l'exploration mais ne put tout prendre vu la quantité énorme de ressources. Il y retournera le lendemain soir. Quinzième jour. Nuit calme. Roman était mélancolique. Cela ne promettait rien de bon. Il ne sortait pas de sa chambre. Marco prépara un repas pour lui et lui proposa. Quelqu'un frappa à la porte. C'était le voisin. Un entrepôt médical peu gardé. Ils avaient besoin de bandages. Marco accepta, malgré l'état psychologique de Roman. La nuit, Roman resta dormir. Il n'était pas en état d'explorer. Seizième jour. Marco découvrit le corps de Roman. Il n'a pas supporté sa situation. Nouveau coup dur pour Marco qui bascula lui aussi dans la mélancolie. En plus, il fut blessé profondément. Il était incapable de faire quoi que ce soit, juste dormir. Dix-septième jour. Le corps de Marco fut découvert sans vie. Il s'était pendu.